Ouais, ce soir c'est surtout beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir parce que voilà, comme vous le dites, on a un peu galéré ces derniers temps. Après, voilà, comme je l'ai dit avant le match, le Covid cette année il est pour tout le monde. Il ne fallait pas qu'on se cherche des excuses ou quoi que ce soit. On a un certain stade de la saison où on sait ce qu'on a à faire, on connaît notre rôle, donc on s'est appuyé sur ce qu'on savait faire de mieux et puis voilà. Ah oui, c'est sûr, on se revoit, bah souvent on se le dit, à Angoulême. Le dernier match de l'année, juste avant les vacances, où vraiment on fait un non-match et on regardait plutôt vers le bas plutôt que vers le haut. Et honnêtement, on est revenu avec d'autres intentions début janvier. Et voilà, maintenant, on a fait beaucoup de travail, on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de choses pour réussir. Et maintenant qu'on y est, bon, ben, on va savourer, mais voilà, il reste encore des choses à travailler, comme à chaque fois. Mais voilà, il faut saisir l'opportunité maintenant. Ouais, bien sûr, on va pouvoir travailler plus sereinement déjà sur les deux derniers matchs qui nous restent, avec le match en retard contre Vannes et après ensuite aller à Montauban. On va récupérer des mecs qui ont eu le Covid. Et puis voilà, ça permet de travailler dans un climat un peu plus cool, un peu plus serein, pour espérer de belles choses derrière. Ouais, bah on savait qu'ils allaient nous mettre beaucoup de pression on est resté sérieux d'entrée de match. On essaie nous d'inverser au contraire la pression et de la mettre plutôt nous. Chose qu'on a réussi à faire et voilà, c'est plutôt bien. On score sur leurs erreurs. Et puis voilà, après tout doucement, on a eu un trou d'air quand même en deuxième mi-temps juste avant de prendre le bonus. Ce qui est un peu dommage. On doit être plus propre, je pense, profiter un peu plus de leur infériorité numérique. Mais voilà, le travail est fait à la fin. Devant, on était quand même en difficulté sur certains ballons portés. Donc voilà, comme je dis, il y a du travail chaque match, et une remise en question. Donc c'est à nous de faire le job. Mais vaut mieux le faire dans ce climat-là qu'avec beaucoup de pression. Ouais, ce qui est bien, c'est que tout doucement, bah, le travail de chacun paye et on se rend compte des qualités des uns et des autres. On commence à mieux se connaître et puis voilà, chacun prend ses responsabilités. Donc c'est bien, tout le monde amène quelque chose à l'équipe et c'est important. Que ce soit des mecs qui rentrent dans le groupe, comme aujourd'hui le jeune Elie Eglen qui rentre et qui fait une super rentrée. Donc voilà, une petite pensée pour lui, et c'est bien parce que tout le monde est dans la même optique et c'est top pour le groupe.